on s'intéresse à la dérivation de mesure de Gibbs non linéaire à partir de la mécanique quantique. Dans une limite de type champ moyen. Et dans le cours d'aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est vous présenter quelques-uns des outils classiques, donc essentiellement quelques-unes des propriétés très classiques de l'entropie et de l'entropie relative quantique, dont nous aurons besoin pour résoudre ce problème. Donc, je ne vais pas vraiment rappeler, même s'il y a des nouveaux arrivants, je ne vais pas vraiment rappeler le problème principal qui nous intéresse. Le cours est assez indépendant. Enfin, le cours d'aujourd'hui est assez indépendant du reste. Et donc, en fait, dans cette quatrième section, je voudrais vous parler d'inégalité matricielle et d'entropie. C'est un sujet très intéressant et un petit peu surprenant dans le sens où on va faire de l'algèbre linéaire en dimension finie très simple. Il y aura beaucoup de questions en apparence très simples qui en fait ont mis beaucoup de temps à être résolues, finalement aussi avec des preuves très simples, questions qu'on peut faire en premier cycle parfois. Et pourtant on a besoin de certaines de ces inégalités pour résoudre notre problème. Donc pendant un petit peu moins d'une heure, j'espère vous parler de ces inégalités. D'accord. Et on fera tout en dimension finie avec des matrices hermitiennes, mais après, tout s'étend en dimension infinie avec des opérateurs compacts, mais j'en parlerai pas trop. D'accord. Donc, avant tout ça, je vous rappelle ce qu'est l'entropie. Donc, dans le cas classique, je vous rappelle qu'on se donne un Hamiltonien H, une fonction sur l'espace des phases, et puis on regarde le problème variationnel suivant, qui est inf, bon, en fait min, de l'intégrale de h rho plus t l'intégrale de rho log rho et qu'on minimise sur toutes les probabilités. Donc rho est une fonction positive, l'intégrale égale à 1 et on est sur un ensemble M dans R grand D. Typiquement M est souvent RD croix RD quand vous avez un système hamiltonien avec position et vitesse. D'accord ? Et je vous rappelle que la valeur de cet inf est en fait moins t le log de l'intégrale de exponentielle moins h sur t. Et que c'est atteint par la probabilité rho qui vaut exponentielle moins h sur t fois un facteur de normalisation z qui est justement l'intégrale, c'est ce qu'on appelle la fonction de partition. Alors une manière de voir que c'est atteint, donc je vais peut-être appeler ρ0 ce minimiseur, enfin une manière de voir que ρ0 est le minimiseur absolu, c'est de regarder cette énergie, donc ça c'est l'énergie libre, énergie moins t fois l'entropie, l'entropie c'est moins l'intégrale de ρ log ρ, on peut regarder l'énergie libre de ρ moins l'énergie libre de ρ0. Donc si vous appelez f de ρ qui est l'intégrale de hρ plus t ρ log ρ, vous faites un petit calcul, va vous montrer que f de rho moins f de rho 0, rho 0 étant cette probabilité ici, peut s'écrire de la façon suivante. Donc ça peut s'écrire t, l'intégrale de h rho rho 0, où h xy, c'est x log de x sur y, d'accord, qu'on appelle l'entropie relative. Et que vous pouvez aussi écrire, moi j'aime bien l'écrire, f de x moins f de y moins f' de y x moins y, où f de t, c'est la fonction t log t, qui est une fonction convexe. Et sous cette écriture, vous voyez bien que tout ça est positif et que c'est atteint comme c'est une fonction strictement convexe, si et seulement si x égale à y, et donc vous démontrez bien que ρ0 est l'unique
minimum de ce problème variationnel. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir ce qui se passe dans le cas quantique. Avec toujours cette idée que donc une fonction hamiltonienne classique est remplacée par un opérateur, une probabilité est remplacée aussi par un opérateur gamma, qui est un opérateur auto-adjoint non négatif, enfin positif, au sens des opérateurs, et dont la trace vaut 1. C'est ce qui remplace les probabilités. Et que l'intégrale est remplacée par la trace. Donc le problème variationnel qu'on doit regarder, on en avait déjà parlé, c'est la trace de H, où H est maintenant un opérateur donné sur un espace de Hilbert, et pensez qu'on est en dimension finie, n, pour simplifier, plus t, la trace de gamma log gamma. Donc c'est le problème qu'il faut regarder, c'est l'énergie libre du système, énergie moins t fois l'entropie, et donc on regarde ce problème de minimisation sur tous les opérateurs dont le spectre est positif et dont la trace vaut 1. Et donc ce que je vous dis, mais on le verra aujourd'hui, c'est que l'unique solution est atteinte pour gamma 0 qui vaut un facteur de normalisation exponentiellement h sur t, qui est l'état de Gibbs. À température t. Donc z, c'est ce qui rend cet opérateur de trace 1, donc c'est juste la trace de exponentielle moins h sur t. Et la valeur de l'énergie, c'est moins t, le log de z, c'est-à-dire de la trace de exponentielle moins h sur t. D'accord ? Et si vous faites les mêmes manipulations que là-bas, donc ça, je vais l'appeler F de gamma, c'est l'énergie libre de l'état gamma. Vous allez voir que F de gamma moins F de gamma 0, vous pouvez l'écrire T fois H de gamma gamma 0. J'aurais dû l'appeler H classique là-bas. Bon. D'ailleurs, dans le H, je ne vais pas mettre... l'intégrale, d'accord. Bon, enfin, c'est pas très important. Mon H quantique va contenir la trace. Hein. Donc, H de AB, de deux matrices AB, c'est juste la trace de A. Alors, évidemment, là, il faut faire attention parce que ça commute plus. Donc, on ne peut pas écrire A sur B. Donc, on écrit log de A moins log de B. Et... un petit calcul vous montrera que ça peut aussi s'écrire f de a moins f de b moins f' de b a moins b où f c'est toujours t log t. D'accord, et donc en fait, cette fonction des deux matrices gamma et gamma 0 est positive, on va expliquer pourquoi. Et elle s'annule seulement quand gamma vaut gamma 0. C'est une espèce de distance, tout comme la fonction là-bas, une espèce de distance sur les probabilités, sur les mesures de probabilité. Là, donc ça, c'est l'entropie. Donc le H, c'est l'entropie relative quantique. Et donc, dans la preuve de notre théorème de dérivation des mesures de Gibbs, que je ne vais pas rappeler aujourd'hui, on aura besoin de propriétés fines à la fois de l'entropie, donc l'entropie c'est moins la trace de gamma log gamma, et de l'entropie relative qui est la trace de A log gamma moins log gamma 0. Et les questions qu'on se pose principalement, c'est est-ce que les propriétés qui sont faciles à démontrer dans le cas classique, auquel cas on a une fonction de deux variables essentiellement qui est intégrée, donc propriété de convexité, de positivité, tout ça, est-ce qu'elles sont encore vraies dans le cas quantique où là on a des objets qui ne commutent pas, et ce qui peut du coup rendre l'épreuve beaucoup plus difficile. Donc tout ce que je vous dis est connu, et assez classique, mais dans une communauté un petit peu restreinte, et chaque fois que j'ai eu besoin d'inégalités matricielles,
c'était toujours un petit peu difficile de trouver où elles étaient démontrées. Et donc c'est pour ça que j'ai pensé vous faire, un petit peu moins d'une heure, une liste de ce qui est très utile pour résoudre ce type de problème. Donc les références classiques, c'est le livre de Bhatia, Matrix Analysis. Et vous avez un cours de Eric Carlen qui s'appelle Trace Inequalities and Quantum Entropy. An introductory course. Qui date de 2009, que vous pouvez trouver sur Archive. Tout ce que je vais vous raconter n'est pas tout à fait dans ces livres, mais où il est un petit peu étalé. Bien, donc on va commencer par parler de croissance. Juste pour s'échauffer un petit peu. D'accord ? Donc, si vous prenez une fonction f qui est croissante sur un intervalle i, intervalle de R à valeur réelle, d'accord, bah, c'est à peu près évident que la fonction qui a une matrice auto-adjointe associe la trace de F de A est aussi croissante au sens suivant, où si vous avez A qui est inférieur ou égal à B au sens des matrices, bah, vous aurez que... Et si le spectre de A et le spectre de B sont inclus dans I, vous aurez que la trace de F de A est inférieur ou égal à la trace de F de B. Et la preuve, c'est juste parce que par le principe de courant Fischer, vous pouvez calculer toutes les valeurs propres avec le min-max et vous voyez que les lambda k sont tous. Les lambda k de A sont inférieurs ou égaux aux lambda k de B. D'accord ? Donc ça, c'est facile. On peut se poser une question un petit peu plus subtile qui est pour quel F on a croissance, mais au sens des opérateurs ? C'est-à-dire que A plus petit que B est toujours avec le spectre de A et de B inclus dans un intervalle I, pour quel F on aura que F de A est inférieur ou égal à F de B encore au sens des opérateurs. Et là, pour le coup, c'est en fait beaucoup plus subtil, mais bien connu. Donc vous avez un théorème célèbre qui est dû à Loewener, il dit que si vous avez, je veux l'écrire pour i égale moins 1, 1, mais ça ne change rien, vous pouvez prendre n'importe quel intervalle. Donc si vous prenez une fonction qui est continue sur moins 1, 1, à valeur réelle, alors elle vérifie cette propriété, donc on dit que f est opérateur croissante alors, en fait, de telles fonctions, il y en a très très peu. Il n'y en a presque pas. Déjà, elles sont C infini. Alors, F est, bon, même analytique, enfin, C infini de moins 1, 1. Et en fait, il existe une unique mesure de proba mu sur moins 1, 1, telle que F peut s'écrire... Donc f va être essentiellement une moyenne des ax plus b et puis des résolvantes, c'est-à-dire 1 sur x plus b. Donc le théorème vous dit, comme cet ensemble est évidemment convexe, le théorème vous dit que ce convexe est tout petit et les points extrémaux, on les connaît, c'est les ax plus b et les 1 sur x plus b. Donc il n'y a pas de t, qu'est-ce que je fais? Donc f de 0 plus f prime de 0 et l'intégrale de moins 1, 1 de t sur 1 moins lambda t. Des mu de lambda. D'accord ? Donc ce théorème vous dit qu'être opérateur croissant, c'est en fait très 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 fort, et il y a très peu de fonctions qui vérifient ça. Et en fait, c'est ainsi seulement si. D'accord, sauf que l'autre sens est facile. Voilà. Donc ce qui va surtout nous intéresser, nous, c'est la convexité. Donc là, je vous ai parlé de croissance pour s'échauffer. On va parler de convexité. Donc, vous prenez maintenant une fonction convexe, toujours sur un intervalle i à valeur réelle,
et vous demandez, bon, donc l'EM, l'application qui a toute matrice A dans le spectre et dans I, j'écris pas, qui associe la trace de F de A et encore convexe. D'accord, donc ça, c'est ce qui correspond à cette partie ici. D'accord, donc vu sur l'ensemble des matrices, dans le spectre et dans I, ça forme une fonction convexe, et donc en particulier, l'application qui a A associe la trace de A log A est convexe, d'accord, pour toutes les matrices dans le spectre est positif. Donc toutes les matrices, peut-être je dis positives. Ça c'est important, on va s'en servir. Donc c'est moins l'entropie, l'entropie est concave, et moins l'entropie est une fonction convexe de l'état. Donc comme on va en avoir besoin de nombreuses fois et que c'est un cours, je vais faire la preuve de cette petite chose pas difficile du tout. Hein. Donc le lemme repose sur un autre lemme qui est aussi lui-même très utile, qui s'appelle Peierls-Bogoliubov. Et qui vous dit que si vous avez une fonction convexe, alors en fait, vous avez une inégalité un petit peu meilleure, au sens où si vous prenez un vecteur x de norme 1, alors vous avez que x f de a x, le produit scalaire, contrôle f de x à x. Et bon, ce lemme est vraiment très simple. La preuve, si on se met dans une base orthonormale de vecteurs propres de A, et dans ce cas-là, on voit que c'est la somme des f de lambda i xi carré qui est bien plus grand que f de la somme des lambda i xi carré. Enfin, c'est la convexité. Et comment on montre la convexité de l'application trace là-haut? Donc preuve du premier lemme. Bon, c'est en gros là, c'est une conséquence assez facile. Donc vous prenez I, donc vous prenez deux matrices A et B, et vous regardez TA plus A moins TB. Je vais l'appeler C. Et vous prenez Y, un vecteur propre de C. Et vous regardez y f de cy, qui est bien sûr égal à f de y cy, puisque c'est un vecteur propre. C'est-à-dire à f de t y à y plus 1 moins t y by. Vous utilisez la convexité de f. Vous trouvez t f de y à y plus 1 moins t f de y by. Et ensuite, vous utilisez le lemme précédent, d'accord, qui vous dit t y f de a y plus 1 moins t y f de by. Et quand vous remettez tout ensemble, vous voyez que on a démontré ce qu'il fallait, il suffit ensuite de sommer sur tous les vecteurs propres de C et vous trouvez la trace des deux côtés. Maintenant, donc quelque chose de très simple qu'on peut faire en premier cycle, petit exercice. Alors souvent, on utilise une autre version de la même chose, où on remplace le T par un opérateur. Vous avez un autre lemme qui est dû à Hansen et Pedersen, qui dit que si vous avez une famille de matrices XK qui vérifie que la somme des XK, XK étoile vaut 1, d'accord, bon, c'est une somme finie, mais en fait, on peut même généraliser à des sommes quelconques, hein. Alors, f
de la somme des xk, ak, xk étoile, trace, pardon, est plus petit que la somme sur k des traces des xk, f2, ak, xk étoile. D'accord, donc c'est la même chose, sauf que les coefficients pour la convexité, on les remplace par des opérateurs. Et ça, ça va vraiment être très utile, on va s'en servir plusieurs fois. Et la preuve est la même. Vous prenez y, un vecteur propre de la somme des xk, ak, xk étoile. D'accord ? Et vous faites la même chose que tout à l'heure. Donc vous regardez y, je l'appelle c, f de c, y, qui est égal à f de y, c, y, c'est-à-dire à f de la somme sur k des xk étoile y, ak, xk étoile y. Bon. Et là ensuite, la manière d'interpréter cette somme ici, c'est de penser que c'est f d'une très grande matrice, qui est A1 jusqu'à A grand K, faisant le cas d'une somme finie, hein, une matrice par bloc. Et ensuite, ici, vous avez un grand vecteur colonne qui est x1 étoile y, etc., xk étoile y, et vous prenez le produit scalaire avec le même. Et ensuite, vous appliquez l'inégalité précédente et vous trouvez le résultat. Donc la seule chose qu'il faut vérifier, c'est que le vecteur ici est normalisé, mais il est normalisé juste à cause de l'hypothèse que la somme des xk, xk étoile, c'est l'identité. D'accord, donc c'est le même argument, simplement on utilise le fait qu'on peut, on peut varier la dimension comme on veut et on se place avec une matrice beaucoup plus grande. Donc ça c'était pour la convexité de la trace de f de a lorsque f est une fonction convexe. Maintenant on peut se demander la question naturelle, c'est quand est-ce qu'une fonction f est opérateur convexe, c'est-à-dire vérifie que f de ta plus 1 moins tb est vraiment inférieur ou égal au sens des matrices à tf de a plus 1 moins tf de b. C'est la définition de l'opérateur convexe. Et tout comme les fonctions qui sont opérateurs croissantes, c'est une classe très petite. Les fonctions sont toutes, c'est infini. Donc ça, c'est un théorème qui est aussi dû à Hanson, Pedersen et aussi à Loewner. Donc il vous dit que si vous avez f, une fonction continue sur moins 1, 1, donc toujours à valeur réelle qui est opérateur convexe, alors en fait elle est si infinie. Et elle vérifie que f de la somme des xk, ak, xk étoile est inférieur ou égal à la somme des xk, f de ak, xk étoile. D'accord ? Oui ? Ensuite, je comprends pas. Si une fonction est convexe, alors elle est opérateur convexe, puis que si une fonction est opérateur convexe, alors elle est infinie. Non, non, je la suppose opérateur convexe. D'ailleurs, c'est facile d'en déduire qu'elle est forcément convexe. C'est pas bon. Si f est croissante, elle n'est pas opérateur croissante. Ah non. Non. Bah non, puisqu'elle est forcément c'est infini et vérifie ça. D'accord. Donc les fonctions opérateur croissante ou opérateur convexe, c'est tout petit comme classe, il n'y a pas grand monde. Mais dedans, il y aura x log x, c'est pour ça que c'est très important. D'accord. Donc quand une fonction est opérateur convexe, alors en fait elle est très lisse et elle vérifie cette inégalité au sens des opérateurs. Et par ailleurs, il existe une unique proba mu sur moins 1, 1, telle que f se décompose encore, comme tout à l'heure, sauf que c'est l'intégrale de ce qu'on avait tout à l'heure. Hein.
Bon, en fait, vous intégrez en gros la formule de tout à l'heure et vous trouvez ça. C'est pas un point extrémal, mais par contre, c'est dedans. Ça, c'est le corollaire que je voulais énoncer. Donc, le corollaire, c'est que si vous regardez f de t qui vaut t puissance r, donc ça, c'est opérateur convexe quand r est entre 1 et 2. C'est même si et seulement si. Et puis si vous faites tendre R vers 1, vous allez réussir à démontrer que F de T qui est T log T est opérateur convexe. D'accord. Donc pour nous, ça va être très important, le fait que la fonction qui est utilisée pour fabriquer l'entropie, elle n'est pas juste convexe, elle est en fait opérateur convexe. Et c'est vraiment une propriété cruciale de l'entropie, ça ne marcherait pas avec d'autres fonctions convexes. Oui. Moralement, ça a l'air d'être un truc purement algébrique, pourquoi est-ce qu'on a besoin de C infini? On n'a pas besoin de C infini, d'accord? On part de continu et on en déduit qu'elle est C infini. Vous sortez le C infini. En fait, elle est même analytique, on démontre que F a nécessairement une extension au demi-plan supérieur et qu'elle est analytique sur moins 1, 1 ouvert. C'est la théorie de Choquet, exactement. Donc on regarde l'ensemble des fonctions qui vérifient tout ça et on calcule les points extrémaux explicitement. Et en fait, la première étape, et toutes ces propriétés sont équivalentes. Hein. Donc on suppose que f est continu et elle est opérateur convexe si et seulement si elle vérifie ça ou si et seulement si elle vérifie ça. Et montrer qu'une fonction opérateur convexe vérifie forcément, enfin c'est équivalent à vérifier l'inégalité de Hansen-Pedersen, c'est ce qu'ils ont fait. Et on se sert de cette équivalence pour en déduire l'existence de mu. Et la régularité aussi. D'accord ? Tout ça, ce n'est pas totalement évident, ça prend un certain nombre de pages, et tout est fait dans Batia, dans le livre que je vous ai cité. Vous voyez que là, je suis resté assez général, je pars d'une fonction quelconque, parce que l'idée, la philosophie qu'on a quand même, c'est que ce qu'on réussit à faire avec x log x, on aimerait bien le faire avec n'importe quelle fonction pour pouvoir construire des mesures invariantes qui ne soient pas nécessairement basées sur la gaussienne. Le problème, c'est qu'on a besoin de tellement de propriétés très fines sur l'entropie et sur l'entropie relative que finalement, on n'arrive pas à travailler dans une très grande classe de fonctions pour l'instant. D'accord ? Donc, ce qu'on a plutôt, c'est une liste de propriétés très importantes qui apparaissent naturellement quand on regarde des problèmes de physique statistique et qui apparaissent aussi naturellement dans notre problème à nous. Et ensuite, on regarde l'ensemble des fonctions qui vérifient ces propriétés, et pour jusqu'à présent, c'est un ensemble assez petit. Donc ça, c'était pour opérateur convexe. Maintenant, je voudrais parler de fonctions de deux variables. Là, je vous ai donné les propriétés de fonctions d'une seule variable matricielle. Mais nous, l'entropie relative, c'est une fonction de deux matrices, et elle ne commute pas, ce qui pose des problèmes, bien sûr. Donc je vous rappelle que l'entropie relative, H de AB, est définie comme la trace de A log A moins log B, pour les matrices A et B qui sont positives. En fait, généralement, on se restreint aux matrices dont la trace vaut 1, du moins pour que cette formule soit valable. Et ça, je vous rappelle aussi, vous pouvez l'écrire f de a moins f de b moins f prime de b a moins b avec f de t qui est t log t. Faites ce petit calcul, vous verrez que pour passer de la formule 1 à la formule 2, on utilise le fait que la trace de a égale à la trace de b. Physiquement, la trace de a et la trace de b sont tous les deux égaux à 1, mais en fait, on peut regarder l'entropie relative pour des matrices pas forcément normalisées, mais dans ce cas-là, il vaut mieux prendre la deuxième formule que la première, parce que ce sera toujours positif. Mais sinon, ça diffère d'une constante fois la différence des traces. Donc, quand on parle de fonction de deux variables, la première propriété classique, c'est un lemme qui est dû à Klein. Question idiote, la trace de f prime de b à moins b, c'est défini comment?
Alors, il faut faire un petit peu attention, en effet. Donc, nous, on travaille avec des matrices... Et pas hermitien, a priori. A et B sont des matrices hermitiennes, d'accord. On est en dimension n, d'accord. En fait, ça va être très intéressant et on aura besoin de le définir en dimension infinie, mais pour l'instant, on n'en parle pas. On parle de matrices de taille finie. Et la seule question, du coup, c'est f' de B, qui diverge en 0, mais dans ce cas, on suppose simplement que 0 n'est pas valeur propre de B. Et en fait, si 0 se trouve être une valeur propre de B, on peut démontrer que la formule a sens, fait sens, mais dans ce cas-là, 0 devra aussi être valeur propre de A et avec le même vecteur propre. Et après, du coup, on peut oublier ce sous-espace et travailler avec des matrices définies positives. D'accord ? Donc, pour l'instant, là, je suis un peu flou, donc pensez simplement à des matrices qui sont toutes les deux définies positives, mais après, on peut faire un passage à la limite et traiter le cas où 0 est dedans. Donc le lemme de Klein, c'est ce qui va nous dire que cette fonction est positive. Sauf que c'est un lemme légèrement plus général qui vous dit que si vous avez une fonction de deux variables qui est positive en tant que fonction de deux variables, on veut dire que la trace de la fonction appliquée A et B est encore positive. Le problème, c'est qu'on a un problème d'ordre. Les objets ne commutent pas, et donc quand on a une fonction de deux variables, on ne sait pas définir H de AB. On sait très bien le définir, et surtout qu'on va prendre la trace, on n'aura pas de problème à le définir lorsque h est une combinaison de produits de fonctions de x fois des fonctions de y. Là, il n'y a pas de problème, d'accord, parce que l'ordre n'importe pas, du coup, vu qu'on prend une trace. D'accord. Donc on suppose que h est une fonction qui s'écrit comme une somme de produits de fonctions de x fois des fonctions de y. Somme finie, mettons, mais après, bien sûr, tout se généralise à des sommes quelconques. Qui est positive sur i croix j, alors la trace de h de ab est aussi positive quand le spectre de a est inclus dans i, et le spectre de b est inclus dans j, et les matrices sont toutes les deux hermitiennes. Et cette trace est interprétée au sens où je mets d'abord fk de a et après gk de b, ou l'inverse, ça importe peu. Mais je ne les mélange pas, d'accord. Je décide de mettre soit tous les A à gauche et les B à droite, soit l'inverse, et la trace est la même. Donc voilà pour ce petit lemme. Et la preuve est très simple, encore une fois. On diagonalise A et B, d'accord. Donc AVI égale lambda IVI, BWI égale MUI WI, et puis on calcule la trace de h de ab, qui va être égal à la somme sur i et la somme sur j, et on remplace juste, c'est très facile, et du coup on trouve aussi la somme sur k, des ck, et donc on va avoir ici fk de lambda i et gk de mu j, et puis ensuite on aura la trace du produit des deux projecteurs, qui va juste donner vi, produit scalaire avec wj au carré, et donc vous voyez que il suffit d'utiliser que cette fonction ici, entre crochets, est positive, et c'est bon. Donc quand on a des fonctions de deux variables qui peuvent s'écrire comme des sommes de produits, il n'y a pas de problème. Si on sait que c'est positif, alors ça reste positif. Et donc vous voyez immédiatement le corollaire. C'est que si vous avez f une fonction convexe, du coup, nécessairement, vous pouvez définir une espèce d'entropie relative associée à f, qui est hf de ab, qui est la trace de f de a, moins f de b, moins f' de b, a moins b, et ça, ce sera toujours positif. Et du coup, l'autre corollaire pour notre entropie relative, donc vous prenez f de t égale t log t, vous en déduisez en fait que, dans ce cas-là, je n'écris pas le f, c'est la vraie entropie relative, vous en déduisez que c'est toujours positif ou nul, et en fait, on peut même faire un petit peu mieux. En étudiant précisément la fonction f, on peut en fait démontrer que même, on a même
que l'entropie relative, donc avec x log x, contrôle 1 demi de la trace de a moins b carré. Et là, pour le coup, pour avoir ça, il faut que a et b soient tous les deux entre 0 et 1, ce qui est le cas si les traces valent 1. Donc vous voyez bien que l'entropie relative est une espèce de forme de distance, mais pas tout à fait, ça ne vérifie pas l'inégalité triangulaire. Mais en tout cas, c'est nul si et seulement si a égale b, et en fait ça contrôle le carré d'une distance. Donc proche de 0, c'est plutôt un carré, mais après plus loin, ce n'est pas vraiment un carré. C'est un objet un peu compliqué, mais... Et donc du coup, ça vous donne une preuve immédiate du fait que l'état de Gibbs est l'unique minimiseur du problème dont je vous ai parlé, puisqu'on pouvait écrire l'énergie libre d'un état gamma quelconque moins l'énergie libre du gamma 0 dont on pensait qu'il était minimiseur, comme H, et donc on sait que c'est positif ou nul, et que c'est nul si et seulement si gamma égale à gamma 0. Et comment on démontre ça? C'est facile, il faut étudier la fonction de deux variables x log x moins log y, et montrer qu'elle sur 0,1 au carré, elle se minore par 1/2 de x moins y carré, et ensuite ça suit de Klein, puisque toutes les fonctions peuvent s'écrire comme des sommes de produits de fonctions de a fois des fonctions de b. Donc voilà, ça c'est pour les premières propriétés faciles de l'entropie relative. Je voudrais finir avec un théorème important, dont je vous rappelle, on a la définition, hein. Donc je parle vraiment de f égale t log t, hein. En fait je l'écris dans le théorème, donc f de t égale t log t, et l'entropie est définie comme ça, voilà. Alors en fait, cette entropie va être une fonction convexe de la paire AB. Convexe. D'accord ? Donc c'est beaucoup plus... C'est assez facile de démontrer que si vous fixez A ou que vous fixez B, c'est convexe dans l'autre variable, parce que c'est... On l'a déjà fait. Mais montrer que c'est convexe dans les deux variables, c'est en fait un problème très difficile, qui a été ouvert pendant de nombreuses années et qui a été résolu par Lieb dans les années 70. Alors du coup, on a une autre propriété du même type, qui est que si on a que la somme des xk étoiles xk est égale à 1, donc un petit peu comme tout à l'heure, sauf que l'étoile a été inversée, faites attention, on a une inégalité de ce type, que h de la somme des xk à xk étoiles et la somme des xk b xk étoiles est inférieure ou égale à la somme sur k des h de xk à xk étoiles xkb xk étoile qui est inférieur ou égal à h de ab. Donc une fois de plus, comme vous pensez que la somme fait 1 ici, c'est un petit peu comme une convexité où les poids sont des opérateurs. Et cette inégalité va jouer un rôle crucial, comme vous allez le voir, la semaine prochaine. Et de tout ça, on peut en déduire une troisième inégalité, qui est que si votre espace ambiant se trouve être le produit tensoriel de deux espaces, donc là je fais une hypothèse supplémentaire, et si on définit la trace partielle par rapport au deuxième espace d'une matrice A, donc ça c'est ce qui est caractérisé par le fait que la trace de B tenseur 1 A vaut la trace de B, la trace de 2A. D'accord ? Donc par dualité, on peut définir la trace partielle, et c'est comme pour les probabilités, c'est faire une marginale. On intègre les variables de V2 et on garde que les variables de V1. C'est juste une marginale. D'accord ? Alors, l'entropie relative de... les matrices où on prend les traces partielles est inférieure ou égale aux matrices initiales.
Donc voilà le théorème principal sur l'entropie relative. Ça a l'air un petit peu technique, mais chacune de ses propriétés est importante et joue un rôle très important en physique statistique et aussi un peu en théorie quantique de l'information. Aujourd'hui, on n'utilisera pas beaucoup l'entropie relative, mais ce théorème sera notre outil principal la semaine prochaine, quand on parlera de la dérivation des mesures de Gibbs en dimension infinie. Mais puisqu'on en est là, je voudrais vous expliquer un petit peu l'idée de la preuve. Donc, le fait que c'est convexe des deux variables, c'est ce qui a été démontré par Lieb en 73. Et 3i a été démontré par Lieb et Ruskay aussi en 73. Et leur motivation n'était pas vraiment d'étudier initialement l'entropie relative, mais l'entropie elle-même. Et il se trouve que ces deux propriétés sont équivalentes à ce qu'on appelle la sous-additivité forte de l'entropie, dont je ne vais pas parler, mais qui est une propriété très importante en physique statistique. Et 2i est dû à Lindblad en 1974. Alors ensuite, après ces travaux, la preuve de Lieb est une preuve basée sur de l'analyse complexe, la preuve de la convexité, qui est assez complexe. Et il y a eu beaucoup de preuves plus simples au fur et à mesure des années. Même récemment, dans les 5 dernières années, j'ai vu au moins 2 ou 3 nouvelles preuves qui étaient trouvées plutôt par des gens de la communauté de la théorie de l'information quantique. Moi, je vais vous raconter une preuve qui date de 2009 et qui est due à Ephros et qui est vraiment, à mon avis, la plus courte que je connaisse. Donc, ce que je voulais juste vous dire, c'est que la somme, donc l'application qui a A associe la somme des xk à xk étoile. Ça, c'est la forme générale de ce qu'on appelle un quantum channel. On peut aussi dire une application complètement positive qui préserve la trace. D'accord, donc vous voyez que comme la somme des xk étoiles xk fait 1, cet état ici a la même trace que A. Et par ailleurs, ça a des propriétés de positivité très fortes, que je ne vais pas détailler. Et ces inégalités, bon, surtout la dernière, ce que vous devez imaginer, c'est que c'est une inégalité qui vous signifie que vous perdez de l'information en regardant un sous-système. Si vous avez un système quantique et prendre des traces partielles, on l'expliquera la prochaine fois, c'est ce qui correspond à regarder un sous-système. Et en regardant un sous-système, on perd de l'information, l'entropie relative décroît. Je voulais aussi vous faire remarquer que cette inégalité ici, étoile, du moins celle qui est intermédiaire, et le fait que H est toujours positive, vous implique que H de AB est toujours supérieur à H de X A, X étoile, X B, X étoile. Parce que vous pouvez simplement compléter le carré pour fabriquer un Y de sorte que la somme vale 1. Et vous jetez le terme en Y. D'accord. Et ça, on peut l'utiliser pour définir l'entropie relative en dimension infinie. Il suffit de prendre X, un projecteur, sur un espace de dimension finie. Et vous voyez que, du coup, l'entropie décroît. Et si vous prenez un projecteur sur des espaces qui grandissent, ce terme ici va grandir, va être croissant. Et H de AB est juste la limite croissante de cette quantité lorsque vous faites grandir votre projecteur. D'accord, donc ce type d'inégalité sert aussi à définir l'entropie relative en dimension infinie. Alors ensuite, je voulais vous faire une autre remarque, c'est qu'il est naturel de se demander pour quel f. Donc là, on a regardé f qui est t log t, mais on peut se demander pour quel f ces propriétés sont vraies, et c'est pas connu. Donc, pour quel f hf est convexe, par exemple.
Donc il y a une conjecture qui est de dire que f seconde doit être opérateur convexe et f tierce doit être positive. Donc pour nous, c'est vraiment très important de savoir quelle est la classe des fonctions f qui est permise, pour laquelle on aura toutes ces inégalités, parce qu'ensuite on peut dérouler le fil et essayer de fabriquer ou d'étudier des mesures plus générales que les mesures de Gibbs. Et donc cette conjecture n'est pas résolue. Donc on sait démontrer que si f vérifie ses hypothèses, alors le HF est convexe. Il y a des travaux de Hansen et Zhang en 2014, où en fait ils croyaient avoir résolu la conjecture et finalement il y avait une erreur. Et Pitrick et Virochek en 2015 qui n'ont pas vraiment résolu cette conjecture, mais qui ont donné une autre caractérisation de la fonction f qui est pas... Hansen Zhang, apparemment ils l'ont corrigé là même. Ah ça y est, bon, en tout cas sur Archive c'est toujours la vieille version. Donc s'ils peuvent, c'est très bien. Et j'en profite pour faire un petit peu de pub sur un travail avec Julien Sabin. Peut-être 2013 d'ailleurs, où on étudiait des propriétés dispersives du modèle de Hartree dans tout l'espace. Et on avait besoin de savoir pour quel état de référence on pouvait construire le modèle. Et du coup, on s'était posé une question un petit peu différente, qui est pour quel f on a cette inégalité ici. J'appelle deux étoiles. Et on a montré que 2 étoiles est vrai si et seulement si f' est opérateur croissante. D'accord, qui est une classe plus grosse que la classe d'avant. Et ça, c'était vraiment très important pour pouvoir étudier ces modèles dans tout l'espace. Donc ça, c'est la fin des remarques. Pendant 5 minutes ou quelque chose comme ça, je voudrais vous donner la preuve de ce théorème, puisqu'on en aura besoin. Donc ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, toutes ces propriétés sont équivalentes, on peut montrer n'importe laquelle et en déduire les autres. Ce qu'on va faire, c'est démontrer I et montrer 2I, mais peut-être qu'on commence par montrer par exemple que 2I suit de I. Voilà. Donc la première remarque, c'est la première inégalité ici est très facile, puisque l'entropie avec T log T vérifie que si vous regardez TA, TB, hein, n'oubliez pas, c'est A log A moins log B, vous voyez que le T du log s'en va, et donc c'est en fait T H de AB, c'est une fonction qui est homogène degré 1. Et donc du coup, ici, ce que vous pouvez faire, c'est juste ajouter arbitrairement un 1 sur k, qui est le nombre de termes dans la somme, et un k ici, et ensuite appliquer la convexité. Donc vous écrivez que h de la somme des xk, a, xk étoile, xk, b, xk étoile, est en fait égal à grand k, le nombre de termes, h de 1 sur k, la même chose, 1 sur k, la même chose, et ensuite vous appliquez la convexité, et vous trouvez ça, d'accord ? Donc ça c'est vraiment juste la convexité. Voilà. Et là, ensuite, comment vous passez de cette expression à l'autre expression où il n'y a pas les xk ? Il faut utiliser la même astuce que tout à l'heure, c'est-à-dire voir cette somme sur k comme l'entropie relative d'une très très grande matrice où on met toutes les matrices par bloc. Donc ça, on l'écrit en fait H d'une très grande matrice qui est X1, A, X1 étoile, etc., des zéros partout, XK, A, XK étoile, et puis la même chose pour B. D'accord, c'est évident que la formule, si vous avez des blocs, ça devient la somme. Bien. Et donc maintenant, ce que vous remarquez,
c'est que la matrice qui apparaît ici, enfin les deux matrices, sont les matrices que vous obtenez en prenant la matrice AAAAA et en appliquant XK et XK étoile à gauche et à droite. D'accord ? Donc vous pouvez introduire l'application V qui à X associe X1X, XKX, et ça c'est une isométrie. Puisque la somme des XK étoile XK vaut 1. Bon, une isométrie partielle, c'est pas une bijection. Vous avez que V étoile V vaut 1, mais V, V étoile vaut pas 1. Et donc du coup, c'est évident quand vous avez ça, que H de AB vaut en fait H de VA, V étoile, VB, V étoile, juste parce que c'est une isométrie. Et ensuite, quand vous calculez ces matrices, vous voyez que c'est les matrices de là-bas, mais vous avez des tas de termes hors de la diagonale. Donc la seule chose qu'on doit faire, c'est montrer que si on a une grande matrice et qu'on ne conserve que les termes diagonaux, alors l'entropie relative décroît. Mais ça, c'est exactement ce qu'on voulait démontrer dans le cas où les XK sont des projections. Donc ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'en fait, on peut se ramener au cas où les XK sont des projecteurs. D'accord ? Sur des blocs comme ça. D'accord ? Donc il suffit de montrer étoile pour une formule sous cette forme où les PK sont orthogonaux 2A2. D'accord ? Donc en fait, les opérateurs XK, on peut toujours se ramener au cas où c'est des projections par cette astuce. Bon, et par récurrence, il suffit de le faire pour 2. On met les zéros petit à petit. Donc ce qu'il faut démontrer, c'est que l'entropie de la matrice A11, A22, 0, 0 et B11, B22, comme ça, est inférieur ou égal à l'entropie de AB. C'est-à-dire je prends deux matrices A et B, décomposées avec des blocs, ça veut dire la taille des blocs est pas importante, et je mets des zéros, l'entropie relative décroît. D'accord ? Donc c'est ça qu'il faut démontrer, et ça, c'est pas difficile, parce qu'en fait, cette matrice diagonale par bloc est une combinaison convexe de plusieurs matrices A tournées avec des unitaires différents. Hein ? En fait, A11, 0, 0, A22, c'est la matrice A plus 1, 0, 0, moins 1, A, 1, 0, 0, moins 1. Le tout sur 2, quand même. Vous voyez que cette matrice est une combinaison convexe de rotation de la matrice A. Et donc, du coup, l'entropie, et c'est le même unitaire U ici, donc l'entropie de cette somme est inférieur ou égal à la combinaison convexe, et comme appliquer un unitaire A et B ne change pas l'entropie relative, vous avez démontré une égalité. Donc on voit bien comment ça suit de la convexité, ces propriétés-là, avec les opérateurs A et B. D'accord ? Alors si vous avez plusieurs blocs, vous pouvez faire par récurrence, ou alors vous pouvez utiliser des racines de l'unité pour tuer tous les blocs, comme ça. Alors on peut utiliser la même astuce pour 3i, mais je ne veux pas en dire trop, parce que je voudrais vous démontrer i. Vous allez voir que la preuve de i est en fait assez rapide, hein, celle des Frost du moins. Pour 3i, on utilise l'astuce que si on prend une matrice A et qu'on intègre contre tout contre tous les unitaires comme ça, en fait cette matrice va commuter avec tous les unitaires, et donc du coup, elle va être constante. Et la constante ne peut être que la trace de A. Voilà. Alors sur D fois l'identité. D'accord ? Donc vous voyez qu'on peut obtenir la trace en faisant une moyenne. Donc là, je prends la mesure de R sur. D'accord ? Qui est normalisée à 1. Donc, en faisant des moyennes sur toutes les rotations, sur tous les unitaires, on peut prendre la trace. D'accord. Et donc de cette manière, on peut démontrer le 3i
Il suffit de faire une moyenne sur tous les opérateurs de la forme 1 tenseur U, où U, c'est toutes les unitaires de V2. Et on utilise la convexité. Donc ce qui me reste à faire, c'est de vous prouver I. Donc ça, c'est la partie difficile, du moins avant la preuve des Frost, que moi je trouve très facile. Donc l'idée des Frost, qui en fait est une idée qui est due à Araki, je pense déjà, c'est de se ramener au cas commutatif. On a l'impression qu'on ne peut pas, mais en fait on peut. Donc l'idée, c'est la chose suivante. Donc n'oubliez pas que H de AB, c'est la trace de A, log de A, moins log de B. Voilà. On va introduire un opérateur de multiplication. Pardon, on va se placer, on voit l'ensemble des matrices comme un Hilbert, avec le produit scalaire qui est la trace de A étoile B. Et on introduit un opérateur de multiplication à gauche par la matrice A et de multiplication à droite par la matrice B, vu sur l'ensemble des matrices. Voilà. Évidemment, multiplier à gauche et multiplier à droite, même si les matrices n'ont rien à voir, c'est des opérateurs qui commutent. D'accord ? Et donc, en utilisant ces opérateurs, vous voyez que vous pouvez réécrire cette trace comme L log L moins log R, appliqué à la matrice identité. Et ensuite, vous faites le produit scalaire encore avec la matrice identité, et c'est le produit scalaire des matrices, trace de A étoile B. D'accord ? Donc ça, c'est juste que... appliquer F de L à une matrice M, c'est la même chose que appliquer F de A à M. D'accord ? Donc vous avez d'abord A log A, vous appliquez à l'identité, ça vous fabrique A log A. Et ensuite, pour A et B, vous appliquez L et log R, ça fait des choses à gauche, à droite. Et voilà. Donc ce que vous voyez, donc c'est vraiment très important, c'est que donc là, vous avez l'identité qui est un vecteur donné, là. Et maintenant, vous avez le même problème qui est posé pour les opérateurs L et R, mais avec la grosse différence que L et R commutent maintenant. Donc du coup, vous voyez qu'il suffit de démontrer le théorème pour des matrices qui commutent. Mais par contre, on n'a plus les traces, on l'applique à un vecteur ici, qui est l'identité. Et donc du coup, on ne peut pas se contenter de le montrer pour des traces, pour des matrices qui commutent. Il faut montrer pour des matrices qui commutent, mais la version opérateur. D'accord ? Donc le théorème des Frost, c'est le suivant. C'est que si vous avez L1, L2, R1, R2, de sorte que les Li commutent avec les Rj, et vous regardez ensuite L, c'est T, L1 plus 1 moins T, L2 et R, T, R1 plus 1 moins T, R2. Ici. Alors vous avez que L log R, L moins log R, qui est inférieur ou égal au sens des opérateurs, à T, la même chose avec les 1, plus 1 moins T, la même chose avec les 2. Mais au sens des opérateurs maintenant. Et alors, comment ça se démontre ? Eh bien, il faut écrire ça ici. Vous voyez, l'astuce, c'est que maintenant, il commute. Donc, c'est vraiment le log de L divisé par R. Donc, c'est vraiment R fois la fonction x log x appliquée à L divisé par R. Donc, je le vois vraiment comme R1,5 f de... Bon, je n'ose pas écrire L divisé par R, donc je vais quand même écrire R moins 1,5 L R moins 1,5 R 1,5. Où F, c'est notre T log T. Tout commute, il n'y a pas de problème. D'accord ? Et ça, vous l'écrivez simplement. F de R moins 1,5 T L1 R moins 1,5 plus 1 moins T
R-1,5, L2, R-1,5, R-1,5. Et ensuite, on va appliquer le fait que T log T est opérateur convexe. Donc pour ça, on introduit ici celui qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire R1,5. Donc on introduit X qui vaut racine de T R-1,5, R1,5. Et puis Y qui est l'autre, celui que vous imaginez, de sorte que X étoile X plus Y étoile Y valent 1. D'accord ? Et en utilisant le fait que F est opérateur convexe, on en déduit immédiatement l'inégalité. Je vous laisse écrire le détail, il n'y a rien du tout, c'est juste qu'on sort les X en utilisant Hansen-Pedersen. Et ça donne exactement ce qu'on veut. D'accord, donc ce qui est vraiment très important, c'est que X log X est opérateur convexe. Et curieusement, on peut se ramener au cas où les matrices commutent. Mais il ne suffit pas de le faire pour des traces, il faut vraiment le faire au sens des opérateurs. Et c'est là où c'est vraiment important que X log X soit opérateur convexe. Donc après la pause, on va utiliser ces inégalités pour faire de l'analyse semi-classique avec des méthodes variationnelles en dimension finie. D'accord ? Et évidemment, le but, c'est d'arriver à la dimension infinie, mais ça, ce sera la semaine prochaine. Donc, on va d'abord faire en dimension finie pour se faire la main. Bon, c'est encore des choses connues, mais c'est ce qui nous a inspiré pour faire la dérivation en dimension infinie. À tout à l'heure. Bien. Donc, après cette petite heure d'algèbre linéaire, on va parler finalement d'analyse semi-classique, et comme il faudra faire en dimension infinie, je pense que c'est mieux de faire calmement en dimension finie aujourd'hui. Donc la cinquième section, c'est analyse semi-classique et mesure de Gibbs en dimension finie. Bon, et quand je dis analyse semi-classique, là c'est pareil, c'est tout un monde. Là, ce qui va m'intéresser surtout, c'est des preuves variationnelles. Et surtout pour baser sur l'entropie. Donc on va commencer par le cas qui parlera à plus de gens, c'est-à-dire le cas des opérateurs de Schrödinger. Donc quelle est la philosophie ou à quoi ressemble le métathéorème qu'on va vouloir démontrer. Le théorème, c'est toujours un petit peu le même, c'est que la trace, vous prenez une fonction de deux variables, et vous regardez moins i h bar gradient et x. Donc, l'idée, c'est que ça va se comporter, dans la limite où h bar tend vers 0, comme 1 sur 2 pi h bar d, l'intégrale de f de p et de x dp dx. C'est-à-dire qu'un problème quantique va devenir un problème classique posé sur l'espace des phases. Et là, on se pose une question plus simple, on regarde juste la convergence de nombres, d'accord ? Et on a toujours cette philosophie que les traces deviennent des intégrales, et voilà. Donc évidemment, ça ne veut pas tout à fait dire grand-chose tel que je l'ai écrit, puisque comme ces deux opérateurs ne commutent pas, on a un problème de choix d'ordre, et qui s'appelle un choix de quantification. Il y a un choix des deux côtés. Là, il n'y en a pas, mais là, il y en a un. Donc on peut multiplier par h bar d et dire que ça tend vers 1 sur 2 pi puissance d, l'intégrale de f. C'est plus joli. C'est comme ça que le théorème sera, en fait. Donc, ici, on a un problème de choix d'ordre. Si on écrit f comme une somme de produits, est-ce qu'on met les gradients à gauche, à droite, ou est-ce qu'ils sont emmêlés ? Bon, c'est ce qu'on appelle la quantification. Il y a plusieurs choix, certains sont très classiques. En fait, le théorème le plus simple qui intéresse beaucoup les gens, c'est... quand on regarde une fonction d'un opérateur de Schrödinger, c'est-à-dire une fonction... Donc là, c'est une fonction d'un opérateur, et l'opérateur lui-même une somme d'une fonction du gradient, une fonction de x, donc moins h bar laplacien plus v de x, ce qui apparaît naturellement pour une particule quantique non relativiste. Et on prend une fonction de cet opérateur, on regarde la trace, et le théorème sera donc que h bar d va tendre, à chaque fois que ça fait sens, vers 1 sur 2 pi à la puissance d, l'intégrale de f sur l'espace des phases.
pardon, l'intégrale de f de p carré plus f de x. D'accord ? Et les exemples classiques. Donc le premier exemple très classique, c'est quand vous prenez f qui est la fonction caractéristique de r-. Dans ce cas-là, ce théorème vous dit que h bar d est le nombre de valeurs propres négatives tend, quand h bar tend vers 0, vers l'intégrale, donc 1 sur 2π à l'absence d, l'intégrale de p carré plus v de x, enfin, le volume de l'ensemble dans l'espace des phases où cette fonction est négative, qui, si vous le calculez, vaut la mesure de la sphère sd-1, ensuite divisé par d plus 1, 2π à l'absence d, et l'intégrale de v, la partie négative de v, d'accord ? Parce que là où v est positif, bah, c'est juste vide, la puissance d sur 2. D'accord ? Donc si vous avez un potentiel v qui est dans L d sur 2, pensez à dimension au moins 2, pour qu'il n'y ait pas vraiment de problème. Le nombre de valeurs propres négatives se comporte comme 1 sur h bar d fois l'intégrale de v à la puissance 3,5 en dimension 3. L'autre chose très classique, c'est quand vous regardez h bar d, la somme des valeurs propres négatives, c'est en valeur absolue, d'accord, qui va tendre vers 1 sur 2π à la puissance d, et cette fois c'est l'intégrale de p carré plus v de x, mais intégrée sur l'ensemble où c'est négatif, qui, si vous le calculez, vaut encore une constante universelle. Alors, je crois que c'est d plus 1, d plus 2. L'intégrale de la partie négative de v à la puissance 1 plus d sur 2. D'accord, donc en dimension 3, la somme des valeurs propres se comporte comme v, l'intégrale de v à la puissance 5 demi. Donc les gens se sont beaucoup intéressés à démontrer ces convergences et à avoir des estimés qui soient uniformes. C'est ce qu'on appelle les inégalités de Lipty-Ring ou de Zwickel-Lieb-Rosenblum. D'accord, avoir plutôt qu'une convergence, avoir des inégalités qui soit uniforme en h-bar. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la version mesure de Gibbs, d'accord, qui est bien connue aussi. Hein. Donc, rien de nouveau, c'est des choses bien connues, mais que je veux vous raconter avant de passer à la dimension infinie. Donc, vous prenez V dans L1 loc. Bon, on va quand même supposer que la partie négative est bornée inférieurement, c'est plus simple. Quoique, à mon avis, on n'a pas vraiment besoin. Et on suppose que exponentielle moins v est intégrable. Donc dire que exponentielle moins v est intégrable, ça vous implique que v doit tendre vers l'infini. Il faut que ce soit confiné. Ou alors vous travaillez sur un domaine borné, si vous voulez. Mais donc le v doit tendre vers plus l'infini. Mais il peut tendre très lentement. Alors, bon, il y a une première partie qui dit que la mesure de Gibbs fait sens, c'est-à-dire que exponentielle h bar laplacien moins v de x est en fait un opérateur à trace. Bon, je ne vais pas l'écrire, j'écris la trace. C'est un opérateur qui est positif, donc la trace peut éventuellement valoir plus l'infini. Mais en fait, c'est toujours fini. Bon. Et ça converge vers ce qu'on pense, c'est-à-dire 1 sur 2π quand h bar tend vers 0 à la puissance d, l'intégrale de exponentielle moins p carré moins v de x. Et vous voyez bien sûr que la partie en moment, la partie en p, se factorise exactement, on peut la calculer. Et on trouve donc une constante fois l'intégrale de exponentielle moins v. D'accord ? Donc je vais vous raconter la preuve variationnelle de ce théorème. Il y a d'autres approches, hein. On n'est pas obligé de faire une preuve variationnelle, mais je vais vous raconter la preuve variationnelle qui, je pense, est due à Lieb et Simon. Quoi qu'il y a aussi des choses de Bérésine qui sont reliées.
Et cette preuve fonctionne pour d'autres fonctions. D'accord ? Nous, on regarde la fonction x log x qui, à la fin, nous fournit la fonction exponentielle moins x. Mais vous pouvez l'appliquer à d'autres fonctions. Vous verrez, en regardant la preuve, ce qu'il faut exactement. On va le faire dans ce cas particulier. Donc la preuve est basée sur une résolution de l'identité. Basée sur ce qu'on appelle des états cohérents. Donc, qui est la chose suivante, c'est vous prenez une fonction f quelconque dans L2 de RD à valeur réelle. Il faut savoir important que f soit valeur réelle. Et les gens prennent la gaussienne tout le temps, mais on n'est pas obligé, ça joue aucun rôle. Qui est normalisée dans L2. Et vous introduisez la fonction suivante. Donc c'est une fonction qui dépend de trois paramètres. Ça dépend de h bar, d'une position et d'une quantité de mouvement. D'accord ? Donc x, c'est un vecteur de rd et p aussi. Et c'est une fonction de y qui vaut 1 sur h bar d sur 4, f de y moins y sur racine de h bar, exponentielle i py sur h bar. Donc vous introduisez cette fonction qui est évidemment aussi normalisée dans L2, on a tout fait pour ça, et qui est très très concentrée dans L2 autour du vecteur x. Si vous regardez en Fourier, vous voyez aussi ce qui va se passer. Alors pour simplifier les notations, je vais appeler fh bar la fonction fh bar 0, 0, c'est-à-dire celle qui est vraiment concentrée en 0. Et donc là, la résolution de l'identité, ou résolution en état cohérent, c'est le lemme suivant, c'est que pour toute fonction U dans L2 de RD, vous avez que 1 sur 2pi h bar d, l'intégrale du produit scalaire de U avec ces fonctions-là, intégrée dx dp, ça fait la norme de U. Une autre manière d'écrire cette égalité, c'est le fait que si vous regardez 1 sur 2 pi h bar d, et ensuite vous intégrez, vous voyez, vous prenez le projecteur de rang 1, et j'utilise la notation des physiciens avec le quête et le bras, c'est le projecteur de rang 1 sur la fonction f, là, d'accord, qui est normalisée, donc c'est vraiment un projecteur orthogonal de rang 1, et si vous l'intégrez sur l'espace des phases avec la bonne constante devant, ça vous fait l'identité de L2. Donc c'est en ce sens que c'est une résolution de l'identité. Vous avez une famille de fonctions qui sont paramétrées par x et p, qui est telle que quand vous intégrez sur ces paramètres, vous trouvez l'identité. Évidemment, c'est une famille non dénombrable, c'est une très très grosse famille. D'accord ? C'est pas du tout une base orthonormée, hein, il y a beaucoup beaucoup trop de fonctions. Mais la philosophie, c'est que quand h bar devient très petit, les f h bar xp sont quasi orthogonaux 2 à 2. Donc, ce qui est évident, c'est que si vous regardez le produit scalaire f h bar xp avec un f h bar x' p', ça tend vers 0 quand h bar tend vers 0, chaque fois que xp, le point dans l'espace des phases, est différent du point x' p'. Je vous laisse vérifier. Et par ailleurs, s'ils sont égaux, ça vaut 1. Donc ça veut dire que cette résolution devient quasiment une base orthonormée à la limite h bar qui tend vers 0. Et c'est comme ça c'est la propriété qu'on va utiliser pour faire le lien entre le problème quantique et le problème classique. D'accord ? Donc ce qu'on a, c'est que moins log de trace de exponentielle moins h bar laplacien plus v. D'accord ? Je vous rappelle que ça, c'est le min sur tous les opérateurs auto-adjoints de positif de trace égale à 1 de la trace de moins h bar carré laplacien plus v gamma plus la trace de gamma log gamma.
Bon, alors là, il y a une petite légère subtilité. Hein, donc sur cet opérateur ici est borné inférieurement. On peut le définir comme un opérateur auto-adjoint avec Friedrichs. Et cette trace ici est interprétée au sens des formes quadratiques. D'accord. Comme c'est borné inférieurement, vous mettez juste plus l'infini si gamma ne vit pas sur le domaine de forme de l'opérateur. Voilà, donc ça on l'a déjà rappelé tout à l'heure. Et bien sûr, on a aussi que moins log de l'intégrale de exponentielle moins 1p carré moins v, c'est le minimum. D'accord. Et le minimum est atteint pour l'état de Gibbs. Ici, le minimum va être atteint pour la mesure de Gibbs, donc sur tous les rows de l'intégrale sur l'espace des phases de p carré plus v de x. Peut-être je l'appelle m plutôt. Donc c'est une mesure sur l'espace des phases, hein, une mesure de proba, plus l'intégrale de m log n. D'accord. Donc vous avez une caractérisation variationnelle de ces deux objets, moins log du problème quantique et moins log du problème classique. Et on va démontrer une espèce de gamma convergence, c'est-à-dire que ce problème ici converge vers l'autre. Sauf qu'évidemment, il faut comprendre comment on fait le lien entre un opérateur sur L2 et une probabilité sur l'espace des phases. Et une manière de faire le lien, c'est d'utiliser les états cohérents. Donc à tout gamma, on peut associer la fonction m gamma de x et de p, qui est 1 sur 2pi h bar d, le produit scalaire de gamma avec notre espèce de base. D'accord. Si c'était vraiment une base et si gamma était diagonale, ce qu'on espère obtenir à la limite, on retrouverait exactement gamma. C'est ce qu'on appelle la fonction de Housimi. Chaque fois que vous avez une résolution de l'identité qui fait intervenir des projecteurs de rang 1, vous pouvez introduire une telle fonction. C'est quelque chose d'abstrait. Et on a choisi les constantes de sorte que m gamma soit une probabilité, donc c'est positif bien sûr, et c'est une probabilité sur l'espace des phases. Et donc l'idée, c'est de relier le problème variationnel là-haut pour gamma avec l'énergie libre de cette fonction m gamma. Et en fait, une autre manière d'exprimer le théorème, si vous voulez, c'est que si vous posez gamma h bar, qui est l'état de Gibbs correctement normalisé quantique, alors en fait, le m de gamma h bar va tendre vers exponentielle moins p carré moins v de x avec la normalisation appropriée. D'accord. Au sens des mesures, mettons, sur l'espace des phases. D'accord. Ce qui est un petit peu plus précis que juste la convergence des énergies que j'ai énoncées dans le théorème. Donc allons-y, faisons cette petite preuve. Vous allez voir que la preuve utilise les propriétés de l'entropie. Et donc elle se fait en deux temps. Il y a une bande inférieure et une bande supérieure. Donc commençons par la bande supérieure sur moins log de la trace de l'exponentielle. Donc pour faire une bande supérieure, oui. À un moment tu as fixé f. Ah bah f c'est t log t maintenant. Ah pardon, non, c'est pas le même f que le f de là-bas, oui. Oui. D'accord. On fixe le f de là-bas et la limite sera vraie pour tout f, quel qu'il soit. D'accord. Oui, pardon. Il ne faut pas confondre le f que j'ai utilisé pour fabriquer les états cohérents avec f qui était t log t avant. D'accord. Et tout ceci sera vrai quelle que soit la fonction f normalisée dans L2 qu'on choisit. Donc après, les gens souvent préfèrent prendre un f très bien, pour lequel on peut dériver, faire tout ce qu'on veut, par exemple une gaussienne. Et ensuite, il y a un lemme qui dit, une fois qu'on l'a démontré pour un f, on l'a pour tout f.
Bien. Moi, je vais supposer que f est assez régulière, en fait, dans H1, et ça va suffire pour tout faire. Alors, allons-y. Donc, faisons la bande supérieure. Donc, pour faire la bande supérieure sur le modèle quantique, ce qu'on veut, on veut montrer qu'il s'estime par le modèle classique. Donc, on veut construire un état test qui va avoir un rapport avec le modèle classique. Donc, on choisit nous-mêmes un gamma comme on veut. Un état test, et c'est à peu près évident la forme du gamma qu'il faut prendre. On prend un gamma sous la forme, on se donne une mesure m, et puis on choisira m tout à la fin. Et puis on prend les fxp h bar, les projecteurs de rang 1, dx, dp. Et il faut que je mette les deux pi tout comme il faut. C'est bon. Si je prends la trace de gamma, ça fait 1, et je suppose que m est une proba. Et on choisit le m à la fin. D'accord ? Et on calcule l'énergie libre de cet état test. Donc il faut calculer par exemple la trace de moins h bar carré laplacien plus v fois cet état test, gamma. Et bien sûr, ça vaut l'intégrale de m de xp et l'opérateur moins, pardon, f xp h bar moins h bar carré laplacien plus v appliqué à f xp h bar. Dx, dp, et ce qu'on aimerait, c'est que ça soit très proche de p carré plus v de x. D'accord ? Et dans ce cas-là, ça ressemblera beaucoup à ce qu'on veut. Donc peut-être qu'on va faire ce calcul après, peut-être que je vous parle plutôt de l'entropie, puisqu'on a beaucoup discuté de l'entropie. Donc la trace de gamma log gamma, donc c'est la trace de... Bon, je vais l'appeler grand F maintenant, notre fonction T log T, de l'intégrale de M de XP, FXP, FXP, DX, DP. D'accord ? Et on veut une bande supérieure, on veut utiliser la convexité de cette application sur les opérateurs. Bon, on l'a seulement démontré pour les matrices, mais après pour les opérateurs, ça marche pareil. Et vous voyez que ça, vous devez vraiment l'interpréter comme une somme de xk, xk étoile, comme on avait tout à l'heure. Le seul problème, c'est qu'il faut que les xk, xk étoile, que la somme soit égale à 1. Et donc, c'est en fait plus naturel de mettre un 2pi h bar d ici et de diviser ici par 2pi h bar d. D'accord ? Et là, on a vraiment une somme avec des coefficients qui sont des nombres, et ici des opérateurs qui s'intègrent à 1, à l'identité. Et donc si on applique l'inégalité qu'on a démontrée, vous voyez que ça va être plus petit que f de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire de pi h bar d m de xp, le tout intégré sur l'espace des phases. C'est la somme sur k. Et alors j'ai oublié, oui, j'oublie toujours les deux pi qui traînent. Voilà. Bien, et alors ensuite, je vous rappelle que f, c'est t log t. Si vous calculez cette chose-là, vous allez voir que c'est égal à log de 2 pi h bar d, ça c'est très bien, c'est ce qu'on voulait, plus l'entropie de m. Donc c'est une inégalité exacte. Si vous avez un opérateur qui est une moyenne sur la base d'état cohérent avec une fonction m, d'accord, alors l'entropie de cet opérateur est inférieure ou égale à, pour le coefficient qu'il faudra mettre devant, plus l'entropie de la fonction m. Donc cette inégalité est due à Bérézine et Live. C'est un lien entre l'entropie d'une quantification sur une base d'état cohérent et l'entropie de la fonction qu'on utilise à l'intérieur, m, pour fabriquer l'état. D'accord ? Bien, et donc on va avoir exactement une borne supérieure qui fait intervenir l'entropie classique, avec le bon coefficient ici.
Donc finalement, ce qui reste, c'est de comprendre l'erreur ici, le rapport entre cette intégrale et la même intégrée sur p carré plus v de x. Donc pour ça, ce qu'il faut calculer, c'est fxp h bar moins h bar carré laplacien fxp. Et après, il faut calculer la même chose avec le potentiel v. Donc ça, évidemment, c'est juste h bar carré et le gradient de fxp. Et donc c'est là où on a besoin que f soit en fait h1. Et si vous faites ce petit calcul, le f il est donné par la formule ici, c'est vraiment très simple, vous allez trouver que ça vaut exactement p carré plus h bar l'intégrale de gradient de f carré. D'accord, c'est vraiment pas difficile. On doit calculer le gradient en y, hein, donc on a deux termes. On a le cas où on dérive l'exponentielle, ce qui nous sort un p sur h bar. Et le 1 sur h bar s'élimine exactement avec le h bar ici, d'accord, parce qu'il y a un carré. Et ensuite, on doit dériver f, ce qui nous sort à 1 sur racine de h bar, qui mis au carré nous sort à h bar, et ça ne tue pas tout à fait, donc il reste un h bar. Donc, ce que vous voyez, c'est que cette fonction ici est très proche du p carré qu'on voulait, et l'erreur est uniforme, c'est juste h bar fois une constante universelle qui dépend juste du f qu'on a choisi. On peut prendre le f qu'on veut, mais du moins dans h1. Et là, ensuite, il faut calculer fxp h bar contre la fonction v de x. Et là, c'est aussi très simple, c'est juste l'intégrale de v de x fois fxp. Oui, pardon. C'est peut-être pas très clair. Le x, c'est un paramètre. Donc c'est v de y. Dy, voilà. L'exponentielle i s'en va, bien sûr, et vous voyez que ça, c'est en fait juste la convolée de v avec fh bar carré. Donc cette fonction ressemble très fortement à v, puisque vous devez vous souvenir que fh bar carré converge vers une delta quand h bar tend vers 0. Donc ça, ça va tendre vers v, comme on veut. Là-haut. Et donc, vous voyez que ce qu'on a démontré, c'est que l'énergie de notre état test est inférieure ou égale. Donc, on avait le log de pi h bar d comme on voulait. Je vous rappelle, c'est le coefficient multiplicatif dans le théorème, donc il faut qu'il soit là, plus l'intégrale de p carré plus v convolé avec fh bar carré fois notre fonction m, plus l'intégrale de m log m, plus h bar grade f carré. Et donc maintenant, en optimisant m, on sait quel m il faut prendre. Il faut prendre m, qui est une constante de normalisation exponentielle moins p carré plus v convolé avec fh bar. D'accord, on le met dedans et on va trouver exactement moins le log de l'intégrale de cette fonction qui va converger à la limite où h bar tend vers 0 vers l'intégrale de notre fonction. Donc on en déduit que la lim sup. En fait, ce qu'on a vraiment démontré, hein, c'est que moins log de trace de l'exponentielle, notre opérateur de Schrödinger, est inférieur ou égal à log de 2pi h bar d, moins log de l'intégrale de l'exponentielle, moins p carré, moins v convolé avec fh bar. D'accord, et pour ça, ça se calcule, et puis il y a un petit terme d'erreur ici. Pardon, et j'ai oublié plus h bar grade f carré. D'accord. La dernière intégrale, c'est une intégrale double aussi sur... C'est que des intégrales doubles sur les... laquelle, la dernière, celle-là?
Ah non, non, ça c'est une intégrale sur RD. F, c'est notre fonction fixe qu'on choisit pour faire les états cohérents, donc une gaussienne par exemple. Et dans ce cas-là, on trouve, je ne sais pas, 1,5 ou quelque chose comme ça. Okay. Oui, je suis là à la détente. Dans le tableau du haut, la dernière ligne à gauche, oui. En fait, j'ai une scène. Non, on utilise le lemme de Hansen-Pedersen avec les XK. Hein? D'accord. Et XK étoile, on le voit comme... donc XK, c'est le vecteur F H bar XP divisé par racine de 2 pi H bar D. D'accord. On applique une version continue de ce lemme. Je n'ai pas démontré la version continue, j'ai fait que pour des sommes finies et des matrices. Enfin, bon. D'accord. Et ça nous sort, bon, il faut le réécrire, mais ça nous sort exactement ça, qui était la somme sur K. En fait la question que j'avais posée, c'est que somme des XK, XK affluents. Ah oui, peut-être il faut que je le réécrive. Oui. Et ça, je vois ça en disant que l'intégrale de M fois dxdt est égale à 1, c'est ça? Non, le M, c'est le A. Le M, c'est le A, et les XK, c'est les F et les DX un peu. D'accord. Bien, donc maintenant, il faut faire la borne inférieure. Donc pour la borne inférieure, on ne peut pas choisir d'état test, hein. Mais le truc naturel, c'est de comparer l'énergie du minimiseur avec l'énergie classique de cette probabilité M ici. Donc il faut tout faire à l'envers, d'une certaine manière. Donc on prend gamma, un minimiseur, c'est-à-dire gamma, c'est l'état de Gibbs, avec la bonne normalisation. Donc il dépend de h bar et on a m, je l'appelle m h bar peut-être, je l'appelle juste m, qui est la fonction à 2 aussi mi associée qui est définie là-bas. Donc ce qu'on veut, c'est relier l'énergie de gamma avec l'énergie classique de m. On n'a qu'à commencer par l'entropie, puisque c'est toujours le plus difficile. D'accord. Donc l'entropie, c'est la trace de gamma log gamma, enfin, du moins c'est moins l'entropie. Donc ça, évidemment, on peut l'écrire en utilisant le fait que c'est une résolution d'identité, 1 sur 2 pi h bar d, l'intégrale de fxp h bar gamma log gamma, fxp h bar dx dp. Et maintenant, on va utiliser l'inégalité de Peierls-Pogolyubov. Qui nous disait que quand on a une fonction f convexe, alors y f de a y major f de y à y. Donc ça, c'est supérieur ou égal à f 1 sur 2 pi h par d fxp h bar gamma fxp h bar et le log de la même chose. Alors, vous voyez qu'on n'a pas tout à fait trouvé M, parce qu'il nous manque le coefficient 1 sur 2 pi h. Il traîne toujours, celui-là. Hein. Donc, on l'introduit de force. Donc, celui-là, il est très bien, on le met ici. Voilà. Mais par contre, il manque celui dans le log. Et quand on le rajoute, on trouve exactement le log de 2 pi h bar d plus l'intégrale de m log n. Donc encore une fois, vous voyez qu'il y a une inégalité exacte entre l'entropie quantique et l'entropie classique. Ça s'appelle aussi une inégalité de Bérézine-Lippe, sauf qu'elle est complètement dans l'autre sens de tout à l'heure. Dans la littérature, il y a la première inégalité de Bérézine-Lippe et la seconde. Je ne sais plus laquelle est la première, laquelle est la seconde, ce n'est pas très important. Mais l'idée, c'est que soit vous avez un opérateur et vous introduisez la mesure de Houssimi associée. Dans ce cas-là, vous avez une inégalité dans un certain sens. Soit vous prenez une mesure et vous introduisez l'opérateur associé comme j'ai fait ici, et vous avez l'inégalité exacte dans l'autre sens.
D'accord. Et ça, ça suit des propriétés de l'entropie que j'ai énoncées à la première heure. Et donc la dernière étape consiste à essayer d'écrire la trace de h bar carré laplacien plus v gamma en fonction de la probabilité m. Et c'est le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'avant, on avait l'opérateur laplacien qu'on testait contre les f, on calculait, on trouvait que c'était p carré plus une erreur. Là, on a l'opérateur laplacien qu'on veut écrire en fonction des f. Mais bon, il se trouve que c'est un peu la même chose à l'envers, c'est-à-dire qu'un petit calcul vous montrera que moins h bar carré laplacien est en fait exactement égal à p carré fxp h bar dx dp. Alors évidemment, il y a encore un coefficient qui traîne. Moins h bar grade f. En fait, il faut intégrer l'identité de tout à l'heure et on trouve quelque chose de similaire. Bon, et par ailleurs, ce qu'on sait, c'est que V qu'on volait avec FH bar carré, la trace de cet objet, est égale à l'intégrale de V contre M. Et donc il faut introduire V convolé avec FH bar, et l'erreur va être encore une fois la différence entre V et avec sa convolée. D'accord. Donc si vous écrivez tout, vous allez voir que moins log de trace du problème quantique se minore par l'énergie du problème classique, avec toujours cette constante qui traîne, log de 2pi h bar d, plus l'énergie du problème classique, donc p carré plus v de x fois m plus l'intégrale de m log m. Et en termes d'erreur, vous avez moins h bar fois le grade f carré comme tout à l'heure. Et l'autre terme d'erreur cette fois, c'est plus v moins v convolé avec f h bar, le tout fois la trace de gamma, fois gamma. Et la trace. Parce qu'on est obligé d'introduire V convolé avec FH bar carré pour faire apparaître exactement M. Bon, là je ne vais pas vraiment faire les détails, c'est clair que cette partie ici est juste supérieure ou égale au problème classique. Et ensuite il faut contrôler ça. Bon, en fait on ne peut pas le contrôler pour tout V avec les hypothèses que j'ai marquées. Si V est très très bien, donc gradient est borné par exemple, c'est facile. Sinon, il faut faire deux étapes. Il faut commencer par minorer V par une fonction plus chouette, faire l'argument et ensuite passer à la limite. D'accord. Et vous voyez qu'on a bien démontré le théorème. Et l'ingrédient principal, c'est calculer exactement, essayer de tout décomposer sur cette base d'état cohérent et les inégalités sur l'entropie. Et comme je l'ai dit, vous voyez, ce qui compte, c'est que le F soit convexe essentiellement, le grand F qui est utilisé pour fabriquer l'entropie. Vous pouvez écrire exactement le même argument pour des F plus généraux. Maintenant, dans les 10 dernières minutes, je voudrais vous parler de champ moyen. En dimension finie, toujours, qui en fait se trouve être exactement la même chose, mais écrite de manière différente. Donc vous prenez, je vais l'appeler grand X, bon, C puissance D, quoi, un espace de dimension finie. Et maintenant, vous regardez un problème à n corps pour n bosons qui vivent dans cet espace de dimension finie.
avec une partie un corps et une partie deux corps, exactement comme on a fait depuis le début du cours, sauf que nous, x était L2 souvent, là on regarde en dimension finie. Donc vous introduisez le Hamiltonien à n corps à HN, qui est somme des HI, I égale 1 à N, plus en lambda, somme des WIJ. Voilà, sauf que maintenant tout est abstrait, donc H c'est, donc c'est une matrice D fois D, c'est un opérateur de X dans X, et W, ça agit sur le produit tensoriel symétrique, parce qu'on doit regarder deux particules, donc on doit faire le produit tensoriel, et c'est des bosons, donc on doit les prendre symétriques dans lui-même, et ils sont tous auto-adjoints, donc en fait c'est des matrices. Et quand j'écris HI, je veux dire l'opérateur qui agit sur la IM particule, cet opérateur agit sur le produit tensoriel symétrique NM de notre espace X. D'accord ? Donc on a un problème pour N bosons dans un espace de dimension finie, et on va faire tendre le nombre de particules vers l'infini. C'est exactement le problème qu'on avait au début de ce cours, sauf qu'avant, nous, on était en dimension infinie. X, c'était L2 de RD. Et donc, et une autre différence aussi, c'est qu'on regarde le problème canonique ici. On se fixe N, et ensuite on fait tendre N vers l'infini. Tandis que moi, je vous avais surtout présenté le problème grand canonique dans lequel on faisait une moyenne sur N, avant de prendre le n moyen vers l'infini. Mais ça, on en reparlera la semaine prochaine. Donc on a expliqué que pour la limite de champ moyen, c'est quand on prenait lambda qui se comportait comme 1 sur le nombre de particules. Pour simplifier ici, on va prendre lambda égale 1 sur n moins 1. On a déjà fait ce choix, qui simplifie un peu certains arguments. Et donc maintenant, je peux vous énoncer un théorème qui ressemble beaucoup à celui qu'on vient de démontrer, et qui, j'espère, va clarifier un peu le théorème plus compliqué qu'on avait dans L2 en dimension infinie, dans lequel les mesures apparaissent, et c'est des mesures en dimension infinie. Donc le théorème, c'est le suivant. C'est que la limite, quand n tend vers l'infini, de moins log la trace de exponentielle moins hn, et je vous rappelle qu'on prend une température d'ordre n, vous vous souvenez? Donc j'ai pris tout de suite t égale n. Et comme tout à l'heure, on va avoir une constante qui va diverger rapidement. Tout à l'heure, c'était 2 pi h bar d. Bon là, ça va être une constante dn que je vais définir après. Donc cette limite, en fait, c'est égal à moins log de l'intégrale de la fonction de Hartree, EH2U DU, où EH2U, je vous rappelle que c'est UHU plus 1 demi de U tenseur 2 fois W U tenseur 2 fois. Donc c'est l'énergie non linéaire de Hartree pour ce modèle en dimension finie, avec un problème à un corps, une partie quadratique et une partie non linéaire ici, quartique. Et comme ici on est en canonique, on a fixé n, la mesure ici va vivre sur la sphère en fait. D'accord ? Donc le u va être normalisé à 1. Et dn, c'est juste la dimension de l'espace bosonique à n corps, qui vaut n plus d moins 1, d moins 1. Donc c'est quelque chose qui diverge très vite, qui se comporte comme n puissance d, et qui se comporte aussi très très mal avec la dimension. Voilà, et alors par ailleurs, on peut être un petit peu plus précis, et donner aussi une convergence pour les marginales, c'est-à-dire quand on regarde nos particules et qu'on les teste contre une observable qui ne fait intervenir que k particules à la fois. Donc c'est-à-dire, on regarde la trace de A tenseur 1, tenseur l'identité, où A n'agit que sur les k premières variables, et ne fait rien sur les autres, et on teste contre notre état de Gibbs.
Donc il faut diviser aussi par la trace, il ne faut pas oublier. D'accord, et le théorème dit que cet objet ici converge quand m tend vers l'infini vers l'intégrale de u tenseur k à u tenseur k d mu de u, où mu c'est la mesure de Gibbs qui est juste exponentielle moins l'énergie du avec le bon facteur de normalisation. Évidemment, ici, on est en dimension finie. Donc, la mesure vit sur la sphère de x. X, c'est juste c puissance d. Donc, c'est une sphère de dimension 2d moins 1. Tout fait sens, pas de problème. Toutes ces intégrales convergent. On n'est pas comme dans le cas de la dimension finie, où les objets ne faisaient pas sens séparément. Il fallait les diviser entre eux pour que ça fasse sens. Donc, dans le cas de la dimension infinie, notre théorème, je vous rappelle, c'est qu'on regardait la convergence de moins log trace, en fait on regardait juste trace, enfin c'est pareil, de exponentielle moins hn sur n, et ensuite on divisait par la même chose où on enlève w, c'est-à-dire où on prend lambda égale à 0. Et l'idée c'est qu'en faisant ça, bon, si on prend le moins log, ce qu'on fait c'est qu'on tue cette constante qui diverge de manière dramatique et qui dépend de la dimension. D'accord ? Tandis que la mesure finale elle-même ne dépend pas vraiment de la dimension. On obtient ces mesures non linéaires dans tout l'espace en dimension infinie. Enfin là, je vous présente la preuve simple en dimension finie, qui en fait est la même essentiellement que celle que je viens de faire. Pour faire cette preuve, ce qu'il faut juste comprendre, c'est trouver une résolution de l'identité dans laquelle on voit apparaître les états qui sont factorisés, d'accord, les états où les particules sont indépendantes. Et donc la base, hein, la base de tout, c'est le fait que vous avez une résolution de l'identité, encore sous la forme. Ce que vous faites, c'est que vous prenez u tenseur n. Quand vous prenez le projecteur orthogonal sur u tenseur n, projecteur de rang 1, et vous intégrez avec la mesure uniforme sur la sphère de votre espace. Et si vous faites ça, vous trouvez une constante fois l'identité de l'espace à n corps symétrique. D'accord ? Donc ça, c'est la base de tout, et c'est ce qui remplace la résolution en état cohérent dont j'ai parlé juste avant. Alors pourquoi on pense que ça va marcher ? Ben, c'est juste que si on prend u différent de v, au sens où ils ne sont pas collinéaires, et que vous regardez u tenseur n produit scalaire avec V tenseur n, ben c'est juste U produit scalaire avec V puissance n, et donc s'ils ne sont pas collinéaires, ça tend tout le temps vers 0, parce que c'est strictement plus petit que 1 en module. D'accord ? Donc ça vous dit exactement que deux états comme ça deviennent toujours orthogonaux dans la limite où n est grand, et donc à cause de la résolution de l'identité comme ça, ça suggère qu'on ait la même structure que précédemment, c'est-à-dire que les états factorisés jouent le rôle des états cohérents et qu'à la fin, on se retrouve avec un problème classique posé sur la sphère unité de notre espace X. Et donc, du coup, on introduit la mesure de Housimi associée, tout comme avant, qui vaut dn, le produit scalaire de u tenseur n avec un opérateur gamma quelconque. Donc gamma, c'est un opérateur sur le produit tensoriel nème de notre espace x. Et puis ça, c'est notre mesure dm gamma de u. Et ce qu'on essaye, c'est de relier, par la même preuve que tout à l'heure, relier le problème quantique avec le problème classique pour cette mesure mu. Mesure n. Bon, et à ce propos, je n'ai pas vraiment fait de commentaire sur pourquoi cette formule était vraie. Hein. C'est aussi un petit exercice. C'est le fait que si vous appliquez un unitaire tenseur n, vous faites le changement de variable, vous voyez que cet opérateur ici est invariant. Donc cet opérateur est laissé invariant par tous les u tenseur n
Et ensuite, c'est un petit peu de théorie des groupes pour vérifier que un opérateur qui commute avec tous les U tenseurs n doit commuter avec tous les unitaires, et donc finalement, c'est une constante fois l'identité. Et ensuite, la constante des n, c'est la dimension de l'espace, simplement en prenant la trace et en calculant. D'accord ? Donc, je voudrais terminer en vous donnant le théorème principal qui permet de faire le lien entre les énergies classiques et les énergies quantiques. Tout à l'heure, ce qu'on a utilisé, c'était vraiment qu'on pouvait calculer, quand on a le laplacien, quand on a l'état cohérent, on pouvait l'exprimer. Il faut qu'on puisse faire quelque chose de similaire, sauf que là, on a des opérateurs abstraits. Donc, le théorème principal, c'est le théorème suivant, qu'on démontrera la prochaine fois. On peut l'appeler definity quantique. Moi, j'aime bien ajouter quantitatif. Le théorème de Definiti, c'est un théorème abstrait, et là, on donne une estimée précise avec des constantes. Donc, ce théorème vous dit que si vous regardez la trace de A tenseur 1, n-k, où A est un opérateur qui agit seulement sur les k premières variables, et vous ne faites rien sur les autres variables, vous prenez votre état quantique gamma, et ça, vous le comparez avec l'opérateur que vous obtenez en utilisant cette mesure ici. Donc vous faites moins U tenseur K A U tenseur K avec cette mesure là-bas. Je l'ai appelé M ou mu M. D'accord, donc ce que vous voulez dire, c'est que il devrait être proche à la limite où n est grand. Et l'estimé précise, c'est que ça s'estime par 4 kd sur n fois la norme de A. Donc remarquez bien, donc n c'est le nombre de particules, il est très grand, donc c'est très bien, ça va être très petit. K c'est le nombre de particules qui interviennent simultanément dans le processus d'observation. Donc on les regarde k par k. Et nous, ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est k égale 1 et k égale 2, puisqu'on a une somme avec des opérateurs qui font intervenir les particules une par une, et une autre somme 2 par 2. Donc on est intéressé à prendre k égale 1 ou 2. Donc c'est très bien, ça va être très très petit. Et ensuite d, c'est la dimension de l'espace ambiant. Vous voyez que ce type d'estimé ne peut pas du tout marcher en dimension infinie. Mais bon, au moins, c'est vrai en dimension finie. Donc ce théorème est dû à Chris Trandall, Koenig, Mitchison et Rainer en 2007. Et il y a une version qui ressemble par Ciribella en 2011, et on en a redonné une preuve un petit peu différente avec Nam et Rougerie en 2014. Et donc, à partir de ce théorème, je n'ai pas vraiment besoin de vous écrire la preuve du théorème que j'ai énoncé là-bas. Il faut que je termine. Mais les étapes sont exactement les mêmes. Hein. Vous prenez d'abord un opérateur test que vous écrivez comme une moyenne avec une certaine mesure. D'accord, et vous appliquez les mêmes inégalités que celles qu'on a utilisées, c'est-à-dire que l'entropie va être liée à l'entropie quantique, à l'entropie classique, avec l'inégalité de Bérézine-Lib, première ou deuxième, peu importe. D'accord, et ce qu'il va falloir utiliser, bien sûr, c'est que quand vous prenez votre état test, vous allez devoir calculer U tenseur n, l'opérateur Hn U tenseur n. Ça, c'est ce qui joue le rôle du F moins laplacien plus VF de tout à l'heure. Mais ça, c'est très facile parce que ça vaut n, l'énergie de Hartree, et c'est exact. Donc, il n'y a même pas de terme d'erreur. Donc, dans une des deux inégalités entre le quantique et le classique, on aura une où il n'y aura pas de terme d'erreur, ce sera une égalité exacte. Ça, c'est ce qui intervient dans la borne supérieure.
Et dans la borne inférieure, vous suivez aussi exactement la même démarche que tout à l'heure. D'accord ? Donc, vous avez la trace de Hn gamma que vous voulez essayer d'écrire en fonction de la mesure de Houssimi là-bas. Et cette trace, c'est juste n fois la trace de H tenseur 1 n moins 1 gamma, parce que tous les le premier terme, ils sont tous pareils, et il suffit de faire agir H sur la première variable, c'est le H1, c'est le H tenseur 1. Et ensuite, le deuxième terme, vous avez n n moins 1 sur 2 termes, ils sont tous les mêmes, le lambda vaut exactement 1 sur n moins 1, vous allez trouver 1 demi de la trace de W tenseur 1 de n moins 2 de gamma. D'accord ? Et donc là, ce que vous faites, simplement, on est en dimension finie, il n'y a aucun problème, tous les opérateurs sont bornés. D'accord ? Ici, vous allez simplement mettre cet estimé qui vous permet de remplacer les observables quantiques par la version semi-classique avec la mesure de Houssimi. D'accord ? Donc ça, ce sera égal à n, l'intégrale de l'énergie de Hartree de U, dm gamma de U, plus un grand O de D. D'accord ? Vous aurez la norme de H qui intervient, évidemment, dimension infinie, c'est très dangereux, la norme de W, le K sera soit 1, soit 2. D'accord ? Donc ça, c'est d'ordre N, hein, donc ça, c'est petit quand on va tout diviser par N. Peut-être que c'est plus joli si je l'écris comme ça. Et ensuite, vous voyez que ce sera un terme d'erreur petit. Ça vous permet de comparer le problème quantique et d'avoir une borne inférieure sur le problème faisant intervenir le problème classique. Donc, la prochaine fois, on va parler de théorie semi-classique en dimension infinie. Donc, parler de finitique quantique principalement. Et ensuite, je vous expliquerai comment on fait pour faire ces preuves dans le cas de la dimension infinie. Là, il faudra vraiment utiliser les propriétés plus fines de l'entropie relative. Ici, on n'a utilisé que l'entropie. Vous voyez, l'entropie relative n'est pas du tout apparue. Il faudra utiliser vraiment l'entropie relative. Et on sera obligé simplement parce que tout diverge trop vite. Donc, on va regarder des différences. Et du coup, c'est l'entropie relative qui va apparaître. Et puis, j'essaierai de vous expliquer aussi un petit peu comment on fait quand on a les mesures qui sortent de l'espace de Hilbert et qui se mettent à vivre sur les Sobolev négatifs. Comme on a fait pour faire la preuve, et là, on a des informations bien plus partielles. Donc, voilà. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Des questions ? Quel est l'énoncé de la finitique quantique en dimension infinie ? L'énoncé, c'est qu'on prend une suite. Donc, l'énoncé s'écrit en fonction des marginales. Là, je n'ai pas vraiment parlé de marginal directement, mais ça, il faut l'écrire trace de A fois la Km marginale de gamma. Donc la Km marginale, c'est quand on prend la trace partielle, enfin, par rapport à toutes les autres variables. Donc le Definetti quantique en dimension quelconque dit que si on a une suite de gamma K, qui sont tels que, bah, ils sont tous positifs, tous de trace 1, et qui sont tels que quand je prends la trace partielle d'un gamma k par rapport à la dernière variable, je trouve gamma k moins 1. D'accord ? Alors, il existe une mesure mu, telle que les gamma k sont tous une moyenne de u tenseur k, des mu de u. D'accord ? Donc ce que dit le théorème vraiment, c'est un théorème directement où on a fait la limite n qui tend vers l'infini. Donc on prend une suite gamma n avec un n qui tend vers l'infini, mais on regarde à k fixé, on passe à la limite pour chaque k, et quand on fait ça et qu'il n'y a pas de problème de compacité, on trouve une suite infinie de gamma k qui sont tous reliés par ces conditions de compatibilité. Le théorème dit alors il n'y a plus rien d'autre que des gens factorisés. Et il y a un théorème similaire en probabilité, les gens l'appellent Hewitt-Savage ou des fois juste Definetti. Donc c'est la version quantique de ce théorème. Donc ici c'est une version quantitative parce que tant que K est fixe, on peut estimer exactement la différence
avec une erreur d'ordre k sur n. Sauf que pour les probabilités, il y a un théorème similaire, mais où évidemment il n'y a pas de d parce qu'il n'y a pas de dimension. Il y a un k au carré à la place. Et c'est aussi une question ouverte de savoir s'il y a un théorème de ce type, mais je pense que les gens pensent que c'est faux en dimension infinie.